Bonjour à tous, c'est Jordan, bienvenue dans vous. How are you, thank you, coquino et coquinette, fan de FIFA. Oui, c'est comme ça que je commence. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que je commence mes vidéos. Donc on est avec Pierre Ménez aujourd'hui. Salut Pierre. Bonjour les coquinous. Et on est avec Psycho. Hey, bonjour les Psycho. Vous vous souvenez, première vidéo qu'on a fait avec Hervé Matou. Matou. Oui, on a fait la première vidéo avec Matou. Il a joué Matou? Non, il a pas joué. Ah, tu m'étonnes. Il a fait son boulot de commentateur. Donc c'était hier, encore eu pitié de nous. Eh oui. Et nous a envoyé 5 packs. Alors tu vas nous les montrer, les 5 packs, et tu vas nous les expliquer. Eh oui. Oh, ils sont bleus. Alors ils sont bleus. Pourquoi ils sont bleus? C'est les packs de la Team of the Year, donc la TOTY, les 11 meilleurs joueurs du monde qui ont été sélectionnés donc, par la FIFA. Oh. Et du coup, on a la possibilité d'attraper les défenseurs et le gardien. À l'heure où on tourne la vidéo. D'accord. Mais par la suite sortira les milieux de terrain et les attaquants. Et vous les connaissez, c'est l'équipe type de l'année qui est sortie. Et donc Messi, bien sûr, Ballon d'Or. C'est la grosse surprise, n'est-ce pas, Pierre? Messi, Ballon d'Or? Ouais. Bah, tu sais, c'est avec Ronaldo, c'est comme des divorcés. Ils ont le Ballon d'Or, on va alterner. Ça fait 8 ans qu'il s'est un coup il est chez papa, un coup il est chez maman. Mais en fait, on n'attend plus que la fin de carrière aux deux avoir un nouveau Ballon d'Or. Je pense que malheureusement, oui, parce que c'est vrai que ça commence à devenir pas original, mais en même temps, si ce sont les meilleurs. De toute façon, bientôt un Suisse Ballon d'Or, vous le savez. Moi, j'ai fait l'erreur. Voilà, exactement. Il n'y a pas des éléments pourris, il n'y a que des joueurs. On est parti pour le premier. Vas-y, envoie de la crêpe. Oh là là, allez. Attention. On le fera que pour le premier. Ah, lui, c'est le nouveau, c'est celui qui a le droit de jouer depuis que la suspension a été levée. Avant, il était sergent, lui. Oh là là. Ah oui, alors, si j'ai. Non, mais si vas-y. Toi, t'as pas vu la vidéo avec Hervé? Non, j'ai pas vu la vidéo. Non, c'est un pack couteau pourri. C'est un pack pourri. D'accord, ok, très bien. Allez, deuxième. Allez. Arrête avec ton. Pardon, ça porte malchance. C'est extrêmement fatigant. C'est extrêmement fatigant. C'était que le premier. Ah bah non, ça porte pas malchance. Biglia. C'est bien? Correct. Non. Dans un pack comme celui-ci, on espère avoir un joueur boost, une carte incroyable. Non, rien, il n'y a rien là, il n'y a rien. Ouvre un autre pack, j'ai envie de mourir là. Je vais te dire, à chaque fois que je fais une vidéo où j'ouvre des packs, j'ai que du moisi. Mais toi aussi, de toute façon. Moi, j'ai que du moisi cette année, ouais. Peut-être que là, ça va être extraordinaire là, peut-être. Peut-être que là, on va avoir une carte de l'année. Non, pas du tout. Oh là là, c'est affreux. On a surtout Marwan Fellaini, j'ai envie de te dire. Ouh, ABC. Je pense que c'est le joueur le plus rapide. Il faisait partie il y a deux ans du joueur le plus rapide du jeu, maintenant c'est plus le plus rapide. 94 de vitesse, oui, on va le prendre quand même. Il y a 96 même, hein. Oui, bien sûr. Je sens Pierre qui est de plus en plus déçu, désappointé. Non, mais on va surtout, tu vas voir, après on va jouer contre un mec qui va avoir Ronaldo. Et on va le taper. On va le défoncer. Grâce à. Regarde, Serge Aurier. Ah ça fait plaisir. Et puis Kane. Il est là, le frère. Ah, Harry Kane. Ah, bah voilà. On commence un petit peu à parler là. Mais là, il est monstrueux. Là, physiquement, il est monstrueux. Harry Kane, 73 de vitesse, il a mis 21 cajots l'année dernière. Ils sont pas... Vous n'êtes pas très généreux, mes amis. Hein. Kane, c'est un buteur. Hein. Il faut prendre lui. Hein. Ah, je connais ce nom-là. El Khadouri? Pas du tout, en fait. Avec El Karkouri. C'est ça. Pierre, lis en moi comme dans un livre ouvert. Wisniewski. Il tient à la main. Mais oui, attends, il n'y avait pas un grand joueur français qui s'appelait. Ça s'écrivait pas comme ça, mais. D'accord. Wisniewski. C'est qui c'est quand même voilà. C'est les plus grands français qu'on a eu du monde. Vous n'avez pas compris ce passage, tout simplement parce qu'on a tiré ça d'un sketch de Coluche. Et je sais que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas ce grand humoriste. Tout de suite, une page de publicité. Ou la météo, je sais. Tu connais un humoriste suisse. Mais si, c'est pour nous, Belge-Suisse, c'est un peu pareil. Ouais. On a Marie-Thérèse Porchet, c'est un homme qui se déguise en femme. Oui, je vois. Putain. C'est bien, hein. C'est ta fierté? Marie-Thérèse Porchet. Donc en fait, là, vous venez de faire la même chose que moi, c'est-à-dire, vous allez taper sur Google Marie-Thérèse Porchet. Elle va faire un pic de vue grâce à toi. Elle va faire un pic de vue. Donc, ce qui fait que là, Yann, pense au montage. Allez, tu mets une image sur la tête de Psycho, là, maintenant, hop, de Marie-Thérèse. Voilà. On ouvre le dernier pack. Et celui-là, il va être énorme. Ben, ce serait bien parce que là, sinon, on est déçu. Oh, on a quelques joueurs quand même. Là. Ouais, mais bon. Faire, et bingo! Gaïa, c'est pas mal. Ah, Palacio. Alors, moi vivant, mais pas Palacio en skip. Ce mec est une crêpe. Mavuba. Un Rio. Qui est intéressant par rapport à ses stats défensives. Et on a aussi Yanga Mbiwa qui est très intéressant dans le jeu. On va faire la formation, ils vont faire la formation tous les deux et après on débrief très rapidement avant d'attaquer le match en ligne. The game. Yes, the game. The fucking game. You're the motherfucking game. You're the motherfucking game. Ah, tu le fais mieux que moi. Ouais.
vous souvenez de l'équipe qu'on avait avec Hervé Matou, mais là, Pierre a mis son grain de sel. C'est pas un grain de sel, c'est carrément toute la salière. Malheureusement, Psycho est en train de pleurer parce que vous le voyez. Pourquoi il pleure? Il y a un joueur de Manchester United, il devrait être content. Oui, là-dessus, il est content. Il y en a qu'un dans les packs qu'on a ouvert, donc il y est, voilà, il doit pour faire la gueule en plus. Là, il est content, mais sa note de collectif, elle n'est pas contente du tout. Défense, il a tout modifié. À part Moore. Enfin, qui est passé à droite. Amour qui est passé à droite, mais en fait, il avait vu que Koscielny qu'on avait eu du premier pack opening, il a dit on le met directement. Ensuite, on a amélioré avec Amavi à la place de notre Lévesque qui était à ce côté-là. Et on a mis Aurier qui est l'un des meilleurs défenseurs droits du jeu. Donc, clairement, c'est normal. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça commence à se compliquer après. il m'a dit même Martinez ici, il y a un poste vacant. Mais Martinez, il est défenseur central et non pas. Martinez, il est défenseur central, mais il peut jouer au milieu. Oui, alors, peut-être que dans le jeu. Oui, c'est un jeu vidéo. Ouais. Mais enfin, excuse-moi, avec les packs tout moisis qu'on a ouverts, alors franchement, on va quand même pouvoir. C'est quand même mieux d'avoir Martinez là qu'un de tes Pimpins dont je connaissais même pas l'existence il y a 10 minutes. On avait Pimpin ? Là où ça se complique vraiment énormément, c'est au niveau du milieu droit, donc c'est Biabiani. Donc Pierre l'aime beaucoup parce qu'il est rapide, il est bon dans le jeu, c'est sûr, mais il a aucun collectif. De collectif. C'est-à-dire que dès qu'il va faire une passe, il va la mettre en touche. Et ben, il va être un peu moins performant que ce qu'il devrait l'être. Parce qu'en fait, Pierre, il a fait la formation par comme moi, je l'aurais fait. Par rapport aux forces dans le jeu. Voilà. Tout ça, en gros, une équipe type avec les joueurs qu'on avait, il essaye de mettre les meilleurs joueurs. C'est ça. Mais comme c'est moi la vedette, c'est moi l'invité, c'est mon équipe qui va c'est jouer. C'est ça. Ça va comme ça c'est, ok. Bon, en gros, il a fait son équipe en mettant les meilleurs joueurs. Voilà. Et ceux qui jouent vraiment FA Ultimate Team auraient fait un peu plus attention au lien. Donc maintenant, on fait le match. Ouais. Oula! Ah, là il y a du collectif en face. Bah là c'est une équipe de Barclays Premier League. Encore? Voilà. Donc, bah, après il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec ça, donc faire attention à son attaque. Tu nous sens mal là? Non, moi j'ai confiance. Je connais ton skill, mais je connais surtout Pierre. Et Pierre joue bien. Alors moi je suis bleu. Voilà c'est ça. Alors je fais la première mi-temps avec Pierre. La deuxième mi-temps sera pour Psycho. Donc si on a un petit déficit, Psycho, bien évidemment, on compte sur toi pour. Le rattraper. Vous n'avez pas de déficit, vous allez gagner. Vous hop, allez gagner. Non. Alors je crois que Pierre, tu parles pas beaucoup quand tu joues. Non. C'est hyper concentré. Non, donc là, voilà, je peux pas. Donc là, Psycho, on compte sur toi pour les commentaires. Je ne suis qu'un homme, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Allez, Martinez. Voilà, on l'a remis. Pour Müller, qui est justement descendu d'un cran maintenant dans nos compositions. Voilà. On va passer en profondeur pour Serge. Hop, il sert le crochet. Voilà. Oh, la magnifique passe de 16 mètres. Bien, la frappe. Ah, il enroule. Oh. C'est. Petite frappe tombante. Petite merde. Voilà, c'est bon, j'ai. Ah, je suis là, je suis crochet. En central. Voilà. Superbe. Aurier et Biabiani qui aiment bien changer leur poste là. Je te propose aucune solution, Pierre. Je sais pas si tu l'as remarqué. Ah non, d'ailleurs, j'ai perdu la balle. Voilà, je t'ai rien proposé, c'est normal. On est défensif. Hein. Bah, vas-y, la petite relance, Laurent Blanc, président. Effet Laini. Hop. Tu perds la balle. Tard. Tu dois non seulement, au lieu de gérer déjà tes propres insuffisances, gérer aussi celles de ton pote. Ou attention. Non, c'est bon. Ça, j'avais vu que ça allait sur la barre. Oh là là. Monte dessus. Mais j'y suis. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru au pénal toche, comme on disait en cours de récré. Allez. Je la balourde. Il ne reste plus que 25 minutes à tenir, Yann. Comment tu joues la pendule? Allez. Mais c'est moi. Oui, voilà. J'ai rien dit alors. D'accord. Non, c'est bon, je suis dessus. Tu le centrais pas mal. Oh, quel arrêt du gardien. Vite, dessus. Oh là 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 là, Worm. Et Worm, il nous a fait un arrêt à la Gordon Banks. Oh là là là. Eh, t'as vu les connaissances? T'as révisé un peu, non? Non, mais c'est juste que je suis un vieux de la vieille et que je. Ça fait. Allez, je suis bien intéressé. Mais prends-la! Putain. Serein. Très serein, apparemment. Il n'y a pas les mêmes réactions à ma droite qu'à ma gauche, mais très serein. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à se trouver avec Pierre. Putain, t'as raison. là, c'est du 2 contre. Reste sur le joueur en haut. Non, c'est bon, on est. Oh la vache. Oh Fellaini, le centre. Oh, le dégagement. Fellaini, le dégagement. Dégagement. De Moore. Oh là 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 là. On souffre. Hein. Ouais, mais c'est bien, au moins il y a des actions. Bon, pas vous, mais. Oh la vache. Et Mané. La sanction. Mané. Alors Mané. Mal à la rue, hein. Faut dire ce qu'il est. Oui, mais oui, oui. Non, mais tu vas voir, avec Tom, ça valait beaucoup. De toute façon, il ne fera pas de passe. Et oui. Il va faire un ça, c'est vrai. Par contre, il a pu Alexandre. C'est vrai que c'est le mec qui nous bassine avec les notes de collectif qui fait jamais une passe. Ça va pas faux. Yeah. Hop là. Non, bah après. Hop là, voilà. Après, vous dire ce qu'il y a, on a certes de. Ouais, mais dans les stats, il y aura un tir. Voilà, c'est bien. Bien joué. Ça, c'est pas con. Parce que là, j'allais dire signe d'impuissance de frapper d'aussi loin, mais c'est vrai que j'avais pas pensé aux stats. Oh, attention. Ouf.
Il ne faut pas tacler, il ne faut pas tacler. Il a taclé, ça, c'est passé, ça va être... Bien joué. Allez, siffle la mi-temps là, vous prenez ouais, pas ouais, siffle, le corner. Siffle la mi-temps, siffle la mi-temps. Ok, bon. Mi-temps. Bon. On va changer de place. Ouais, change de place. Ouais. Ah, on change de place. Ah oui, tu te mets devant. Hein. D'accord. Ouais, je suis au bout de ma vie là. Je trouve que c'est le défi qui te fallait, mon petit psycho. Ouais, bien sûr. Voilà, psycho, joueur bleu, bien sûr. Hein. J'ai passé ma manette. Oui, ah, ça joue... ça joue tout de suite, grave mieux. C'est accablant. Hein. Oh non. Pourquoi tu me dis en bas et tu me dis que tu veux la main en haut? Parce qu'il y avait un 2 contre 1 en haut, oh, en fait. Bah oui, mais il y avait là. Ouais, je fais la mauvaise passe. Bah oui. Ça, c'est mon analyse de consultant. Bah oui. Connard. Oh, oh là. Oh là là. Ouh là là, c'est pas grave, il est là. Voilà, ouais, oh superbe, qu'est-ce qu'il a bien couvert. La défense de Psycho, c'est toujours un régal, hein. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Mais brillant à la place donc, on va bien, on est en train d'expliquer aux gens qui nous regardent qu'on remplace Harry Kane par Jimmy Briand. Ouais. C'est la magie du fut. Oui, oui Psycho, oui, boum, oui, boum, boum. Oui. Oh, c'était quoi cette frappe? C'est Daviani, hein. Oui. Oh, pas fini, allez. Pas fini. Allez. D'accord. Oui, 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 t'es clair. Allez, Psycho, sauve notre équipe, Psycho. Qu'est-ce que tu fous? Tu es beaucoup trop poussé, c'est extraordinaire. Attends, tu sais quoi pour le montage? Tu as beaucoup trop poussé. J'aimerais que tu le remettes. Sauve notre équipe, Psycho. Qu'est-ce que tu fous? Tu es beaucoup trop poussé, c'est extraordinaire. Toi non plus, t'as pas eu peur de l'avoir trop poussé? Ah non, pas trop poussé, non, mais j'ai eu peur de la rater tout simplement parce que tu mettais une pression de ouf derrière. C'est vrai. Tout repose sur toi. Sauve la patrie. Oui, 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 ouh. Oui, Pierre. Oh, Pierre, dommage. Oh. Digo. Oh, oh. Alors. Oh, je savais. Et ça, c'est le choix de Pierre. Qui a marqué, c'est le choix de Pierre. Oh. Je sais pas pourquoi je suis aussi joué. Le petit crochet, la frappe. Va la chercher celle-là, mon pote. Ouais, sale pute. Bon choix. Joué. Par contre, check-moi, j'ai l'air con. Merci. Oh là 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 là. Non, c'est le jour et la nuit. Hein. Pip, pip. Oh là là, c'est superbe. C'est superbe. Allez, un but pour Pierre. Un but pour Pierre. Un but pour Pierre, il s'est placé. Oh, il s'est fait sa batte. Penalty, c'est clair. Ouais. Bien joué, Pierre. Allez, Pierre. Allez. Trop mal. Oh oui, oh simplicité, 3-1. Bon, moi j'aurais mis Lucas. Ouais, mais je vois. Ouais, mais moi j'essaye déjà de mettre le but. Allez, peut-être un sursaut d'orgueil de la part de l'adversaire. Non, il va rien. Qu'est-ce que ça va? C'est moi. Ah bah oui. Attention, ah, attention, possibilité sort, de 3-2. Sort, c'est toi, il va tirer tout droit, c'est une crêpe. Ok. Numéro 23. Ah. Je vais tenter tout droit. Attention, 3-2, 82ème minute. Oui. C'est lui qui relance. Magnifique, Fabiani pour Fabiani, le joueur de Manchester. Oh, tu l'as aimé la galette ou pas là? On est vraiment les meilleurs les gars. Non, ne touche pas, toi, tu fous la mort. Moi aussi je t'aime bien, mais tu fais la merde. Non, je t'aime surtout quand tu touches pas la manette. Regarde cette petite galette, parfaite, hein, avec ta note de collectif de 3. Non mais tu vois, j'ai pas l'impression que le collectif soit mauvais là pour le coup, c'est parce que je comprends pas. Bah, parce qu'à un moment donné, c'est aussi les mecs qui font l'amour à la manette. Non mais c'est certain, après... Bah, te frotte pas trop quand même, parce que c'est la mienne et j'aimerais bien... Enfin, truc pas trop dégueulasse. Ouh. Ah, ils reviennent hein. C'est spectaculaire en moins, il y a du spectacle. Il y a cette pion, comme on dit dans le jargon. J'étais mal placé là. Mais t'as quel âge? À l'anglaise, mais prends la balle. Ok, victoire. Voilà, bon joué. Ça nous a fait plaisir. On n'a pas été mauvais sur ce coup-là. Hein. On n'a pas été mauvais. Ouais, on n'a pas été mauvais. Ouais. Ouais. Bon, l'homme du match, c'est quand même le gardien. Au niveau des buts, Müller de match. Ça reste quand même, tu vois, les meilleurs joueurs qui font, meilleurs pots. Ah oui. Au final, on a fait 9 frappes en deuxième période, dont 6 cadrés. Dont 6 cadrés. Et ça, faut retenir. On a frappé 9 fois et 6 cadrés. Ouais, retenez-le, c'est important. Bon, un petit débrief sur ce match, Pierre, avant de se quitter. La deuxième mi-temps était bien. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était l'excellent débrief. Donc, je remercie Psycho et bien évidemment Pierre Ménez pour cette vidéo pack opening plus match première mi-temps à chier et deuxième mi-temps merveilleuse. Je vous fais des poutou-poutou, les coquinous et les coquinettes. How are you? Fine, thank you. Ouais, je sais, c'est comme ça. Ouais, c'est là que quand je t'entends parler, je me dis effectivement, je suis assez vieux maintenant. Et c'est là quand on se rend compte. Par contre, quand on a l'habitude de l'entendre, je reste encore dans le coup. C'est quand on a l'habitude. Ouais, c'est vrai. Poutou, poutou, les coquinous, ça peut choquer. Hein. Ça fait un peu, j'avoue. Mais moi, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien les ça poutous. Fait un peu sorti d'école, mais bon.
Oh, c'est le mec avec la casquette. Esquive. Au revoir. Au revoir. Au revoir.